Salut, c'est Sam. Nous voici la suite de mon let's play sur Expressive Upgrade. Donc là, on est cycle 1500, on va continuer la partie, plutôt bien lancée. Donc là, a priori, le cycle 2000 semble tout à fait envisageable. On va continuer donc nos steam turbines, notamment celle-ci qui est assez prometteuse. Voilà, celle-ci, la seule problématique qu'on a à régler, c'est de casser la pression au-dessus, sinon on a de la vapeur toute faite à bonne température et en quantité suffisante qui arrive quasiment tout le temps, enfin en tout cas quand il est actif. Donc ça, c'est autogéré, c'est vraiment archi simple. Vraiment, la seule problématique, c'est ici. Ici, on a fait le vide pour pouvoir éviter l'échange thermique. Donc voilà. Et donc, on va tenter des séquentiels, mais plus dans un but de casser la pression, en fait, de détruire la pression, la vapeur. Si on peut la détruire, elle est renouvelable et ça n'a aucun intérêt de garder cette vapeur de toute façon. On a 10 fois trop d'eau sur la base. Et quand bien même, on pourrait dire, ouais, mais on pourrait utiliser la chaleur de la vapeur pour le pétrole ou autre. Mais en même temps, la chaleur, j'en ai partout. J'en ai à la surface de façon renouvelable. J'ai un volcan, donc bon, c'est pas une nécessité de se galérer avec cette chaleur. Donc je vais plutôt la détruire, je pense. En tout cas, en partie. Voilà. Sinon, également, on va continuer notre setup. Notre usine à clay ici. Donc voilà ça. Là, il n'y avait rien de spécial. Oh, les hatchis sont tranquilles pour l'instant. Et évidemment, on va continuer la surface aussi. Vraiment, le vrai toit de la surface. Qui, malgré tout, bah, avance quand même pas trop mal. Là voilà. On est vraiment sur le toit. J'espère que ça va pas faire crasher le jeu, ce qui me semble, mais je crois que c'était en version preview. Non, je crois que c'était encore en cosmique. En fait, quand la. Ouais, non, mais c'est pour ça qu'ils ont prévu autant de. Ouais, c'est pour ça qu'il y a autant d'espace là-haut. Parce que quand quand tout s'accumule, bah après ça touche le. En fait, ça va là-haut, quoi, en fait, ça touche le plafond, le vrai plafond. Et du coup, ça fout la merde, mais là, non, ça va, ils ont vraiment prévu large. Donc, on pourra accumuler normalement sans problème les météorites. Donc, voilà, on est en train de se faire le vrai toit final de notre surface. Après, plus tard, on pourra insérer des portes ici et là si nécessaire. Mais déjà, je veux vraiment déjà sécuriser l'astéroïde réellement en version finale avec le toit, vraiment le toit le plus élevé. Et il est quand même assez. Il avance quand même pas mal, hein, mine de rien. Sachant qu'après, au fur et à mesure, tout l'acier qu'il y a là, je vais pouvoir le récupérer pour le mettre là-haut, et puis voilà quoi. Donc voilà, c'est plutôt pas mal. On a également les turbines ici. Je vais tester, ouais, il fallait que je teste les portes, voir si ça aspire bien le gaz et si ça le fait bien aller là. Auquel cas, si je valide cet essai, on pourra mettre ces portes en place, qui sont les mêmes que celles-ci en fait. Donc celles-ci ont quand même une utilité, elles permettront d'injecter toute cette vapeur à l'intérieur. Voilà. Et celle-ci en fait, le but c'est toujours pareil, c'est casser la pression en fait. D'ailleurs, si c'est bien de taille. Ouais, et toujours pareil, voilà, casser la pression au-dessus, refaire passer la vapeur là, et la réinjecter là-haut. Donc voilà. Pour le gaz nat, finalement ça on est stable, on a beaucoup de charbon, très très stable, donc il nous soutient sans problème notre gaz naturel. Donc j'ai pas besoin finalement d'en refaire ou d'exploiter celui-ci dans l'immédiat. Donc voilà, ça mais c'est un peu en stand-by, et puis voilà, après on verra aussi, on verra au cours de l'inspiration de la partie ce qu'on fera plus ou moins. Donc voilà, mais là je vais pour l'instant faire la turbine en bas à droite. Je vais rejeter un petit coup d'œil à mon rocher. C'est vraiment chiant que Luciole. Comment il a ramassé ce putain de. Ah, attends, j'ai une idée. Je vais enlever ça. Et si j'enlève. Attends, on va enlever le verre ici que j'ai mis. Ah, mais non, parce que ça va me niquer le. J'intercale avec des portes. Ou j'intercale. Attends, non, je vais pas forcément le mettre celui-ci. Ah, mais non, parce que si j'enlève. J'aurais bien mis un bras en dessous là.
choper ces satanés yeux là. Parce qu'après ça va, ce sera plus un truc de runching. Mais je pense que peut-être il faut les mettre en dessous comme ça. Là ça peut les attraper parce que là-haut ça veut pas les attraper. Pour une raison assez obscure. Ou est-ce que là, ou alors peut-être là, je rapproche peut-être. On va les rapprocher parce que ça m'avait fait ça pour les. Attends ça. Bon lui il faut dire il n'est pas dans le. Ah attends, lui dans ce cas-là, on peut faire. Alors c'est peut-être parce qu'il n'était pas aussi dans le. Dans le truc. On va essayer ici, voilà comme ça. C'est peut-être comme les pinchas en fait où il manquait un taille, c'était un taille trop loin. C'était simplement ça en fait. Une fois ça joue en voit rien. C'est ça, il y a eu seul. Enfin, à chaque fois que j'ai les yeux là, c'est dommage, on perd les yeux et tout. Voilà, bon, là c'est impeccable, hein, nickel. Voilà, pédard. Ça chauffe. C'est relativement stable la température. J'avais mis en quel? En 3 je crois. La turbine, ouais, c'est ça. Ok, alors, bon voilà, ils ont rien avancé. On va quand même aller jeter un œil. Je vais regarder un œil à la surface. Parce que c'est assez chaud. C'est le cas de le dire. Ouh, 4. Je vais continuer 1 sur 2 avec du granit. Comme ça on avance. On aura pu être très loin de là, ouais, de la base là. Prioriser un peu. Voilà. 300 de vrai, c'est très bien. Et là, on le voit en fait, le vide. Là, c'est 300 degrés. Donc, normalement, ah, attends. Ah non, il a juste faim, là, d'accord. Là, bah, c'est rien. Là, le truc, il chauffe 300 degrés. Et donc ça devrait me transmettre 300 degrés et là on le voit, il ne fait que 57. Il n'y a strictement aucune conduction thermique grâce à la vide. C'est vraiment pratique comme astuce ça. Ouais, alors là du coup, comment je vais l'aborder ça? On va peut-être se refaire waterlock là-haut. Parce que le méga nuage de vapeur à 300 degrés, je ne veux pas forcément balancer dans la nature. Et passer par en bas, ça va pas être hyper pratique. Donc ce qui est sûr, c'est qu'on va remettre de la glissalite.
Attends, ce qu'on va faire, ça vu que c'est pas priorisé, on va d'abord. Ah, zut. On va prioriser déjà le minage ici. On va au moins laisser un taille de là. Et je vais refaire les séquentiels à 4 portes. Alors, stress. C'est qui stresse comme ça? Bah oui, encore. Putain, qu'est-ce que le stress hein? Ouais, je pense que je vais faire un waterlock là. En plus, il y a tout le matériel, on a la pompe, on a tout. On va pas s'amuser à balancer la vapeur comme ça. Ça fait longtemps que je sais pas faire ces séquentiels. Le truc, on va faire ça. Là, faut agir électrifié, hein, ça c'est sûr. Donc, si on veut vraiment de du gros hachage en fait. Alors, buffer. Filter, buffer, ah oui c'est vrai ça. Buffer, filter, buffer, filter. Avec un décalage d'un. Ah par contre c'est de l'autre côté. On va faire la symétrie, un buffer, filter. Ça on va le mettre en contrôle 6 tiens. Du coup, on modifiera notre échelle. On fera un accès par là plutôt. Limite, j'aurais pu coller le. Ouais, bon. Pas très grave, ça coule déjà par là-haut. Par contre, du coup, j'ai Babyside qui va se balader là. Et là pour le coup on mettra du crude oil en fait pour le waterlock pour être sûr que ça se vaporise pas. Voilà. Il va falloir juste un repérage. Ah bah ça va être pile sur. Sur Waterlock. Attends, je crois que c'est. C'est un tile en dessous, ouais. La quatrième porte. Donc la quatrième elle sera là, voilà. Le taille en dessous c'est là, on se met à 3 tailles. Au niveau du waterlock, donc là le buffer va aller là. Filter. Le buffer. Un autre filter. Et il me semble qu'il y a un dernier buffer encore. Il y a 3 buffers et 2 filters. Si mes souvenirs sont bons. 1, 2, 3, ouais, 2. L'autre filter, on va pas le mettre parce que c'est pour respecter le gars, justement, mais on s'en fout, nous, on veut le détruire.
Lion Gate là et Lion Gate là. Gate est comme ça, je crois. Voilà, et là, ce même gate est comme ça. Ouais, le regard de la première porte. Retourner voir dans l'espace. Qui se fait exploser là. Cool, là, une fin métal, en métal. Et là, on voit, on est vachement protégé des rayons solaires. Ça tape fort sinon. Ça, on va les refaire. Alors voilà, par contre, pour passer là, là ça va être un peu chiant là, je pense. On va se débrouiller, mais. Peut-être dû les mettre plus haut. Parce que attends, faut voir les branchements là. Attends, mais il y a un problème là. C'est pas mal mal là. Ah oui, c'est la gate qui est au coup nous décaler. Voilà, qu'on décale ici. On fait ça. Et je crois qu'il y a pas la branche. Voilà, ça comme ça, ouais. On va essayer de tirer au maximum. Ça devrait pouvoir le faire. Là, on ira brancher cette porte. Ensuite, on va brancher ça. On va brancher aux portes là. Donc là, là il y a le mur. 1, 2. D'accord. C'est que je vais éviter les. Je vais pas les brancher sur les portes. Remarque, tu me diras si je peux parce que de toute façon, les portes, je les mettrai après. Comme ça va. Non, c'est le deuxième que je vais mettre. Deuxième porte. Donc là, par contre, ça va poser problème. Parce que la troisième. Attends. Donc, on connecte le buffer à la femelle et après on connecte la porte. Voilà, buffer femelle et on connecte la porte. Mais là, je pense qu'il va falloir que je fasse ça. Ah non, parce que là, ça passera pas.
Ah ouais, trop embêté là. C'est là où je pense qu'il va falloir que je... En fait, on va faire beaucoup plus simple. On va tirer les câbles des portes. Et on mettra au regard les portes logiques, tout simplement. Ah oui, non, mais c'est vrai que là, c'est ça, c'est la deuxième. Faut pas que je me gourre. La première porte sera là. Est-ce qu'on veut vraiment être au niveau de la turbine? Ça, premier câble, c'est une gate, un gate. Là, déjà, faut apprendre à corriger. Déjà, faut qu'on fasse ça. Bon, bah, ouais, et ça a pas passé parce qu'il faut qu'on le décale. Je le mets comme ça. On modifie un peu le schéma, parce que c'est pareil. Buffer, le connecter comme ça. Alors c'est buffer mâle femelle. Alors buffer. Mâle sur femelle, en fait ça fait femelle, mâle, et ça fait deuxième porte. Donc femelle, mâle, deuxième porte. Très bien. Ouais, comme ça devrait mieux fonctionner. Ouais, j'ai tous les câbles là. On va faire pareil, je pense.
Il doit se connecter ici. J'ai complètement modifié l'architecture de la porte logique, mais l'idée reste la même. Ça va faire exactement la même chose. Et là, la prise, c'est mâle femelle ou ça. Attends. Le deuxième buffer. Il fait femelle, filtre, mâle. Troisième porte. Mâle. Alors femelle, mâle. Et toujours la prise mâle du buffer, de toute façon, qui doit se brancher. Donc ça c'est pas bon. Merde. Ça se cale d'ici. Ah bah écoute, si tu se cales, là, faut pas y aller. Hein. Qu'est-ce qu'il fout là lui? Avec de suite. Oh, il est passé sur de suite lui. Ah merde, mais. Oh, c'est désactivé ça. On est belle, mais si c'est activé pourtant. Ah, il est passé par là. D'accord. Le petit malin. Il avait envie de se carboniser. Bon, je vais vraiment prendre la place, ça va faire. T'as 37 kilos, tu m'étonnes. Peut-être envisager la virée, je sais pas. Ouais, ok, j'ai une partie qui est en train de se barrer, t'es sûr. Alors attends, on va se reprendre la tête là-dessus. Alors, oula, ça bug à moitié. Donc la première porte, c'est buffer femelle et endgate mâle. Donc buffer femelle, endgate mâle, voilà, ça y va, ok. Ça c'est bon. La deuxième porte. Moi j'ai filter femelle et buffer mâle. Buffer femelle. Un filter. Buffer mâle et filter femelle, j'ai moi. Et là j'ai. Buffer mâle, filtre femelle, ouais, comme ça. Comme ça, c'est la troisième porte. La deuxième porte, c'est buffer filtre femelle. Buffer mâle. Oui, donc c'est ça. Ça, c'est bon. Donc, forcément, la prise mâle qui reste ici. Ou la branche. Alors le filtre mâle, il va où? Le filtre mâle branche le buffer. Filtre mâle. Ah oui, c'est là l'erreur. Le filtre mâle devrait aller ici en fait. Donc ça.
Ça, c'est pas bon. Filter mâle sur buffer femelle. Ça, on va attendre un peu. Qu'est-ce qu'on a comme flotte? Voilà, défais-moi ça, on va revoir un peu ça. Alors, on a dit ça, normalement, ça doit être une femelle ici. Filtre mâle, buffer femelle, ouais, c'est ça. Désolé, c'est un peu prise de tête, mais c'est nécessaire. Voilà, et donc là, lui ira sur le. Ça, par contre, il faut que je dégage, ça va nous embêter. Sur un filtre femelle qu'on va peut-être mettre comme ça d'ailleurs. Donc le deuxième buffer mâle, il va sur le filtre femelle et sur la troisième porte. Donc filtre, voilà, donc là c'est nickel. Ah, lui il va à la fois sur la porte et sur le femelle. Lui il est interconnecté comme ça. Et ensuite, bah, il manque. Là on a toutes les portes pourtant, c'est bizarre. Il manque un buffer. Donc il va nous manquer un buffer là-haut. Vraiment il buffer et on regarde les portes. Attends, avant de le faire, je vais quand même regarder. Il y a un dernier buffer, et pourtant qui connecte une dernière porte. Ah oui. Ah non, l'erreur est là en fait. L'erreur est ici. Ça, ça connecte ici en fait. Pas nécessairement, voilà. Voilà, voilà, comme ceci. Lui, on a dit comme ça. Hein. Le buffer. Ah non, c'est pas le buffer femelle qui connecte. C'est filter femelle, buffer mâle, toujours. Voilà, buffer mâle. Et là donc. Non, il faut que je fasse ça en fait. Ça, c'est pas bon. C'est ça qu'il faut faire. Voilà, et l'autre il va aller au-dessus.
L'autre il doit être comme ça. Filtre mâle. Sur femelle. Filtre mâle sur femelle et lui, et donc c'est le mâle qui vient interconnecter. Qui connecte la porte et le mâle aussi revient derrière pour boucler le signal. Donc le mâle femelle lui reste comme ça. Le mâle lui connecte simplement la porte. Il revient aussi derrière avec une autre gate. Eh ben, il a fait une sacrée variation de trucs. Il revient derrière là. Avec la autre gate. Ça boucle une signal. Voilà. J'ai pas besoin de plus d'espace là-haut. Faire un vide, je vais voir. Voilà, et donc celui-ci il est là. Ça, je voudrais y câbler. Je vais prendre le col générateur, tu me diras. Ou est-ce servir à quelque chose? On veut vraiment du débit fort. Je pourrais presque mettre encore plus de portes en fait que prévu. Mais bloquer les portes. Neuf portes, j'ai overload, mais on remarque elle se lance pas tout en même temps. Mais je suis en train de me tâter là. Faire un méga truc de. Ah ouais, je vais en mettre 9. Vraiment décomprimé, mais à fond. Là, on a un grand truc d'abyssalite, donc on peut le laisser.
zut. Putain, il faut la porte là-bas, on va rester coincé avec tous les trucs. Qu'est-ce qu'ils font là? What the fuck? Ah, c'est quand je me suis planté de touche. Il a dû avoir un minage tempestif. Recommencer. Ah oui, ici. Ah putain. Qu'est-ce qu'ils ont au stock là? Ah, la Rochini, on va voir ça. Voilà, c'est bon. Ah, il manque le truc là-haut. Après, c'est pas grave, sur le câble, on peut le faire d'ici. Câble qui manque. Est-ce que toute l'électricité est faite? Malheureusement non. Et sachant qu'il va falloir que je fasse la quatrième porte.
ça peut se régler. Faut déjà finir ça. On va retourner voir dans l'espace, voir si c'est pas trop le boxon. On va miner ça. On va dans le truc, on dégage. Et là. Un joli petit bordel. C'est un roche magmatique et moins solide. Je sais plus en termes de dureté. Bien fait amocher les chaleurs, purée. Bon, alors. On met ça, on va récupérer les matériaux. Le câble, si on le fait. Comique, ça va être de rajouter une porte ici. L'inconvénient, si je passe par le bas, je perds bien la vapeur. Ou alors je passe par là. Ah non, je vais passer par là en fait. Et cette vapeur, tu sais, on va dégager. Le waterlock, on va le faire plus bas en fait. On va pas le faire là, le waterlock. Là, ça devrait quand même bien nous aspirer le gaz, je pense. Hein.
faire à ce niveau. On va le faire en Abyssaïde quand même, dans le doute. Donc il partira là. Ah, donc là ouais, ça c'est 15 kg maximum de pression. Ah, là il est en surpression. C'est 5 ou 15 hein, sur le geyser. On va retourner voir là-haut. Tiens, petite pluie de météorites. Quel bazar. Putain, oula, elle a l'air d'être bien énervée là. Si je n'ai qu'à de l'échelle ou la centre, peut-être plus sur le. Parce que là, là elle est vraiment. Attends, fais voir. Oh là là, la canaille. Putain, lui c'est un fou quoi. Lui c'est un fou furieux, il va crever. Et quelle connerie putain. Lui débile mortel. Utilise ton granit pour ça putain. Oh, mon dieu. Attends, voir ça tant pis. Parce que j'ai la débilité. Ouf, putain. Je te jure, qu'est-ce qu'ils vont monter pour faire ça là? Ouh, 7, ça fait du bien ça. Presque à la plomb du truc là. C'est bien, il gaspille bien la nourriture, mais les dupes sont sympas. Ça commence à avoir de la gueule, ça.
turbine. J'ai presque envie d'y coffrer. Faire un vrai coffre en vrai missionite. Là, c'est à moitié destroy. Faut que je sacrifie le bassin, quoi. Ouais, vas-y, c'est pas grave. Ok, on a le waterlock. Donc là-haut, tout est connecté. Hein. Ok. Là, j'en profiterai pour tirer un câble d'automatisation sur la turbine. Ça peut toujours être utile d'avoir si on veut l'automatiser. Et c'est externe, ils captent quel. Je peux être dans ma turbine là. Voilà, comme ça, là, on a vraiment tout structuré. J'aime pas.
mettre un... On ferme là-haut et on va faire le waterlock. Donc j'ai oublié ça, je pense que le clodoric va rester. Il prend cher à chaque fois le... granit. Là ça vaudrait presque le coup, je trouve souvent ici il est cassé. Ah merde j'ai pas, mais tant pis. On va mettre un granit. Parfait, ça avance. Presque sans usager une échelle. Attends, je dois découvrir ce bazar là. On marque en avançant, je pense, tu vois. Oui, en avançant, ça va le découvrir. Comme ça, on aura déjà fait quasiment la moitié de la surface. Ah bah ouais c'est tout propre là. Alors est-ce que là je me fais tape un vide? Ouais c'était abusé quand même. On s'en fout, de toute façon il y a les portes séquentielles. Alors attends j'espère juste un truc. On va vérifier un truc. Ouais c'est dans le bon sens ça. Hein. Ouais c'est ça, c'est bon, c'est dans le bon sens. Putain ça... ça consomme du jus. Hein. Bon, au pire, ce qui est bien, c'est si elles n'ont pas de jus, elles fonctionnent quand même en mode manuel. Donc ça, c'est plutôt bien. Donc là, on peut juste fermer. On va laisser le bordel qu'il y a là-haut. Normalement, il n'y aura pas de reflux. Ouais, ça va être pour stocker notre vapeur excédentaire, voire la détruire. Peut-être presque mettre une dernière réduction ici. En mode évolutif. Et si je laisse ça, c'est pas du tout évolutif. Si je mets une dalle, pardon, ma conduction plutôt, c'est potentiellement évolutif, tout en étant de se isoler avec ça. Parce que après je peux mettre un. Ça peut me faire un boiler. Ici au-dessus. Ouais,
Ouais, je pense que stratégiquement parlant, parce que au pire, si je mène un truc à conduction ici, je peux remettre de l'isolant de toute façon ici. Alors que là, quand j'ai la bissanite. On va même, on pourrait même faire avec des portes et une vide et tout là. Est-ce que là on peut se faire une cuve à cru d'oeil ici au-dessus? Faire, ben voilà une dalle. Donc on va partir sur de l'or, c'est largement suffisant. Voilà, juste ici. Suivi par des portes. Comme ça isole complètement, puis grâce au vide que les portes génèrent souvent. Donc on a les deux avantages, la potentielle conduction thermique. Et l'isolation aussi parfaite. Et là, est-ce que je me mets... Non, pour l'instant... Ouais, je pense que je vais juste laisser comme ça. Et je verrai après si je veux le faire évoluer. Mais au moins, là, ce qui est bien, c'est que là, le truc, il est évolutif. Et là, j'ai laissé porte sous vide. Ceci. Donc là on mettra un thermosensor sur ces portes. Pour l'instant, on va le tirer ici, hein, peu importe. Il faut vraiment limiter la matière au maximum. Ah ouais, mais le problème avec ces carrés de porte, ça a vachement bon fond de la vapeur. En même temps, il n'y a pas trop le choix. Vu que sur la terre, ça sera. Elles vont être réchauffées, mais c'est vrai que. On a quand même 164 de... 160 degrés de marge, donc bon, ça va quand même. Jeter un œil à la surface. Je garde vraiment en vue parce que la surface il meurt très vite. Bien, bien, bien. Oh putain, ça fait déjà un beau petit toit là. Pas encore du tout. Il y a encore un peu de brouillard de guerre ici, mais.
s'envisager de découvrir ça, ou on le fera. Bon, on le fera une fois que ça sera découvert là. Joli, hein. Putain, par contre, la vapeur, elle commence un peu à prendre de la place là. Elle est bien sympa la vapeur là, mais tout ça, a priori, on devrait pouvoir y récup. Ouais. Et c'est là où je me tâte à virer toute cette vapeur dans l'espace. J'ai tellement d'eau, de toute façon, de la vapeur, je peux en faire une quantité. J'ai 4 geysers. Tout m'emmerder avec toute cette merde de vapeur qui nous embête là. Ah, on va tout balancer dans l'espace, hein, Joseph. On va dégager ça. Attends, faut que je calcule les météorites, mais s'ils arrivent là comme ça, on va se faire. On va y aller gentiment, on va y aller 1 sur 2 déjà. Ceux qui sont au biais, ils servent à rien, de toute façon ça passe quand même à travers. Là, on va peut-être. Attends, là, on va quand même être prudent. Bon, là, on va être prudent parce que là, si ça m'atomise tout, là, je suis vraiment dans la merde. On va pas se mettre beaucoup de difficultés. Parce que déjà, si je pouvais dégager toute cette vapeur là, ça soulagerait quand même bien la zone. Bah, tout simplement, ce qu'on va faire, on va ouvrir la porte. On va même la dégager, la porte. Attends, là j'ai une porte, donc ça me bloque les gaz. Donc, je vais au moins l'ouvrir, juste l'ouvrir pour la casser forcément. Voilà, on va dégager de cette vapeur. Et quand il n'y a plus de vapeur, il n'y a plus de chaleur. C'est bien, on peut le réparer là. Ah, ça focus la surface, hein, purée. Oh, dégager tout ça là. On va largement refaire sans problème. C'est trigonite là. Oula, il est bien géré. Jolie esquive. Par contre, jolie esquive, il va falloir ouais, libérer ton pote. Voilà. Ça, j'ai le plan. Ah, c'est le jeune premier son ici en fait. Ah, on va louper.
Là, il est en mode full destruction, là. Attends, je vais la sortir, le bug de là. Vas-y, lève-toi. Qu'est-ce qu'il va me faire, là? Super. J'aime pas. Voilà, toute la vapeur va se dégager, là. Ah, c'est bon. Ah bah voilà, il est fini de toute façon. Alors on va se virer avec toute cette vapeur là, qui nous embête. Bon, ça m'aura bien servi parce que ça démythifie un peu la vapeur quoi. Du coup, avec la steam turbine, j'en ai vraiment plus peur. Mais bon, faut quand même pas en abuser non plus. Ouais, c'est pas mal là. On va se tenir les portes, on mettra bien la conduction. Et voilà, on aura tout complètement isolé parce que les portes ouvertes, ça va générer un vide. Et ça isole complètement l'échange thermique. On va faire ceci. Pouvoir avoir de l'acier là, voilà, bien récupérer. Ah, pas des bois, hein. Ah, ça nous fait une bonne rallonge. D'accord, un petit deux tiers, hein. Ce sera full acier, on sera tellement tranquille. En plus, il n'y aura plus de problème de chaleur en tout cas là-haut parce que, vu que là, l'interface ne produit aucune chaleur, en fait, ne empêche les échanges thermiques. Il y aura juste à gérer toute la régolithe du bas en fait, qui elle va générer la chaleur, mais après, au-delà, il n'y aura pas de rajout de chaleur, donc ça c'est plutôt cool. Alors, dégageons un peu de cette vapeur là. D'ailleurs, ici c'est tout propre, là, tout rangé. Alors, on va récupérer toute la missalite qui traîne. Ouais, c'est vraiment cet homme que je teste. Hein. On va voir ce que ça va nous donner. Le bois, il sera évolutif. Là, il m'a fait. Ouais. Celle-ci, il n'y a pas besoin de les électrifier. Donc là, on va pouvoir rajouter notre dalle d'induction, production.
Donc là, comme ça, on ouvrira les portes. Oh, il y a l'autre, il y a lui. Comme ça, quand les portes sont ouvertes, ça crée un vide. Donc du coup, il n'y a plus aucun échange entre les deux. Et dès qu'on voit un échange thermique, on ferme les portes. Voilà. Comme si on les trouvait au hasard. Et j'ai fini là-haut, ici je ferme, je fais le waterlock et on rentre dedans, on rajoute les portes ici. C'est avec les 9 portes, on a vraiment, je pense, un bon volume d'aspiration. Ça, pourquoi c'est quoi, c'est leur pause qui est pas assez longue ou bizarre? Ah, tiens, il y a de la flotte ici, super. Qu'est-ce qu'il fout là, le poisson là? Donc ça c'est bien de là-bas. Nous, la sécheresse, on connaît pas. Hein. Ça va, le charbon, je suis sur un ratio positif. On va retourner voir là-haut. Ah, ici ça va bien nous aider. Ah, il y a un truc qui est en train de se faire défoncer là. Je vais doubler le sol. Ça t'en fera mieux comme ça. Bon, là ça va être un peu dur, forcément il faut lui faire un peu de couche. Kilos, putain. 100 kilos, mais laisse-toi toutes ces tonnes de vapeur que j'avais là. Aïe aïe aïe. Ah,
bah c'est pas parti, hein. Voilà, impeccable. Donc juste ça. Là-haut, on n'a pas besoin de fermer, hein, question. Il n'y aura pas d'échange thermique. Hein. J'ai vu qu'il y a juste 2 secondes là, pour fermer la fenêtre. Alors, trop d'eau, trop d'eau. Ah oui, au fait, nos amis Lucie, alors c'est donc quoi. Évidemment, ils vont pondre là-bas, ça c'était sûr. Parce que je voudrais voir. Ah, je vais pas le voir là. 8. Viser celui-ci. Voilà, il n'y a qu'un. Et sous les 8 autres. Ah, ils sont là. Ah, bah si, bah c'est ça, ils étaient trop hauts en fait. Ok, super. Donc, ça, c'est une bonne nouvelle. Yes. Voilà, enfin. Bon, là, la seule connerie, c'est que. Sinon, ce qu'on peut faire. Ah, bah non, parce que là, s'il est tombé là. Éviter qu'il fasse ça. Ah oui, parce que je fais, c'est que. Attends, il m'a vidé le. Ah non, il m'a vidé qu'un. Là, je peux pas le faire tomber. Alors, je mets le stockage là. Ici, je vais vider mes batteries. Et l'œuf, je le mets là. La luciole va remonter ici. Là, il y a plein de trous, donc elle vaut bien remonter là. Voilà, ça, on va l'enlever. Bon, ouais, donc c'était bien ça. Juste le truc était trop haut en fait.
quand c'était dans une des faits, mais bon. Là, on va y faire tomber ici, on va faire juste un petit trou. Ouais, d'ailleurs, il a pris cher. Voilà, comme ça, l'œuf tombe ici. Pour l'eau, ouais. Ça doit être des résidus de vapeur. Comme ça, lui, il va essayer de mettre là. Comme ça, l'œuf tombe là, il est plus accessible et une ville de stockage. Alors, Lucy, Shine et Sun. Voilà, c'est parti. Voilà, comme ça, les œufs tombent. Il faut pas me les récupérer. Enfin, normalement. Voilà, c'est bon. Il insiste 2-3 fois, mais après il me donne des autres. Voilà, comme ça, tous les œufs vont être dégagés. Parfait. Parfait, voilà, ça me vide bien les œufs comme ça. Nickel, bon, ça ne couvre pas toute la zone. Mais déjà une bonne zone qui est pas trop mal. Il faut éventuellement en mettre un ici pour vraiment couvrir 100% de la zone. Si on peut mettre entre les deux tableaux, non. C'est pas trop chaud pour. Ça va me mettre dans un tableau. Mais bon. Bon, là déjà on va quand même récupérer une majorité, je pense. Ah oui, mais attends, faut pas que t'es dupe. Putain. Oh, pourtant j'ai bloqué la porte. Ah, mais ils les mettent par là. Allez, con. Allez, con de dupe. Ou alors, ça je le mets là-haut. Et je bloque l'accès. Parce que d'un côté il faut que l'œuf tombe là, mais de l'autre. Ah, il va tomber à l'intérieur. Alors, avec le storage là-haut. Voilà, comme ça, ça va un peu booster nos lucioles. Ça sera pas trop mal. On va retourner voir l'espace. C'est toujours la jungle. Ou alors le bordel. C'est pas énormément avancé. Ok, ici on est parfait. Ah, le sensor, ils ont décidé qu'ils voulaient pas me le faire. Ah oui, parce que c'est un iron, ils aiment pas l'iron. D'ailleurs, je crois qu'il faut que je refasse, il me semble que je n'ai plus. Si pour toi, 3 kg 7. T'as 3 tonnes 7, je veux dire. Ça, on va attendre un peu.
Ok. Une fois que ça c'est fait, on pourra attaquer Waterlock. Voilà, parfait. Est-ce que on peut se récupérer ça ou c'est chaud? Quand même celle-ci qui arrive là. Sur ici, sur l'extrémité, je pense que c'est envisageable. En 7, ils vont d'abord nous péter ça. Suis tellement pas sûr que ce soit sécurisé là-haut. Petite fustille là, hop. Impeccable. Alors, ce qu'on va faire. Voilà. Là, ça bloque tous les échanges thermiques. Là, on est à un vide en fait ici. Et là, il n'y a plus aucun échange thermique possible. Donc là, on est tranquille. Donc ça fait un setup évolutif. Maintenant qu'on a fait ça, on va pouvoir fermer notre motor block. Ici. C'est rapide.
Voyons vite où ça me signe. Hein. Non, en fait, attends, c'est trop bas mon truc là. Il est pas tout à fait droit mon waterlock, mais bon, ça fera l'affaire. Ça va aller là. Ça, faut que ce soit la taille au-dessus en fait. Comme ça. On va faire un truc propre, tant qu'à faire. Et tout doit rester nickel en temps. En fait, là j'avais cassé un trou, celui-là on pouvait le laisser. On refasse un vrai accès par là du coup. Est-ce qu'on a toujours accès? Oula! C'est un peu le bordel. T'as vu plus rien en dessous. Ah oui, non, c'est là l'accès. C'est un tel apocalypse ici que c'est un peu difficile à discerner qui est quoi. Ouais, là, ils ont encore un peu de mal à faire ça.
Internet blanc, relancer les champignons, je pense. Ok, très bien. Ah, là on a un beau attendre. Ici par contre, enable. Est-ce qu'elle a accès? Elle, ouais, a priori, c'est vraiment bon. Et si les chiens, ça gêne pas un peu. Merde, c'est coincé. Heureusement qu'il est déjà à l'abri du soleil. Bien que c'est pas un short back. Attends, pourquoi? Cheminisation. Ah, c'est ça. Il est passé la nuit l'espace, oui. Putain, mais qui arrête? Qu'est-ce qu'il fout là? Ah, il m'a pas vidé cette merde. Peut-être l'échelle qui je sais pas, il y a un truc qui le fait bugger là. Il y a un truc qui le fait méchant bugger. Ouais. On peut espérer peut-être sur ses collègues. Putain, quel bordel. Oh.
Ouais, il y en a un qui arrive là. Ouais, t'en pars pas comme ça. La zone t'as là-haut. Putain, pourquoi ils veulent pas éliminer cette saloperie? De réparer putain toutes ces conneries là. Enfin, bah dis-leur. Oh, punaise. Les sportifs, ouais, hein, l'espace. Ça y est, on est au-dessus de la. Le truc là. Ah, les petites cabines. Hein. Il leur faudrait des parachutes en fait, sauter d'ici directement sur la base. Ok, là on est top. Il manque juste qu'il nous remplisse ça. Ah ouais, c'est bon, ils ont commencé. Ça, l'avantage, c'est que c'est résistant à chaleur 400 degrés. Comme ça, s'il y a un retour de flamme en fait sur le liquide, il va pas se vaporiser. Parce que si je mets de l'eau, ça risque de vaporiser et de me péter le moteur. Donc, alors que ça sera beaucoup plus résistant. Là, déjà, on est limite, mais ça devrait être passé, je pense. Enfin, je fasse gaffe en sable, j'avais plus des masses. Il faut que je le convertisse parce que pour faire du verre, pour faire les panneaux solaires, il n'y a que le sable qui est utilisable. Pas utiliser l'argonite. Donc, il faut mieux que je convertisse tout de suite le sable, pas qu'il soit utilisé avec ces saloperies là en fait. Après, on en a quand même encore pas mal sur la carte, on en a quand même encore pas mal. Ouais, sinon on obtient par transformation. Oui, non, mais puis sinon en plus je peux faire avec le rock granulateur. Mais déjà le plus qu'on a, on va le convertir pour les forcer à utiliser la régolite, ça pour les filtres. Ah mais ça nous saoule cette pollue là. Est-ce qu'on ne ferait pas un petit bassin, ça va couler. Je ferais bien un petit truc comme ça ici. Voilà, comme ça pour que l'eau se coince là-dedans. Parce que c'est un peu chiant.
que c'est amélioré du coup? Ouais, non, pas du tout. Ouais, légèrement. C'est un peu pourri hein, le verre en fait. On va retourner voir les lucioles. Alors ça, on va le paramétrer. Voilà, impeccable. Comme ça va récupérer tous les œufs. Parfait, il va commencer à faire un waterlock. 43 kg, c'est encore un peu juste. 800, c'est parfait. On va rajouter un peu sur le dessus. Je veux vraiment pas que ça casse, il faut vraiment que qu'on soit large. Là, ce qu'on pourra faire, c'est un puiseur à pétrole ici, avec des portes sur le côté ici, comme ça dès que le pétrole est transformé en pétroleum, on ouvre les portes et on peut tout tomber. Et là on fait un bassin de refroidissement avec de l'eau polluée givrée en fait qu'on fait circuler dedans, comme ça on refroidit et on peut l'utiliser à volonté. Ouais, je pense qu'il y a moyen de faire des trucs avec ces setups. Progressivement, pièce par pièce. Je renforce ça pour temporiser. J'en aurais cramé des tonnes de vapeur, hein, putain. Je suis pas sûr que je vais garder cette turbine, je me tâte. Je pense que celle-ci sera bien. Ah oui, en fait, on va pas tester ici. Alors, ça, on va par contre, il va falloir. Ah oui, mais on peut encore faire le mur. Ça sert à rien, c'est pas fermé. C'est accessible au moins. Unreachable. D'accord, c'est ça. Oula. Ah oui, il va faire chaud pour mieux.
pas mal, ma petite cuve à gaz naturel là. Ça, je récupère. Là, je vais essayer de reboucher. Sinon, on va avoir vapeur infinie là. Ça commence à être pas mal. Ouais, ici on est stable. Petite plantation, on est stable. Est 52 cycles, il s'arrête lui. Putain, il faut trop d'eau là. Surveiller mes dracos, ouais, ça va, ils sont encore en vie. Les 140, ça devrait le faire. Ouais. On va pouvoir casser ici. Plus c'est découpé une blasting turbine. Voilà, c'est bien, le code 1 tient la route. Allez, c'est parti pour la steam turbine. Donc ça n'a pas duré longtemps. Mais nous, de toute façon, ce qu'on va faire, c'est casser la route. Il va falloir que tu tapes des échelles. Je sais même pas si je vais pouvoir accéder. Ouais, je vais peut-être pas pouvoir accéder à toutes. Hein. Aïe aïe.
sinon on aura la turbine, c'est pas grave. Au pire. J'avais 10 ça, 1000, 1015. Ah ouais, mais non. C'est incroyable là. Et la purée. Tiens, bah vu. Si, on va en mettre un peu là, allez. Ça va faire un peu de mal. On est où là? Ouais, on va peut-être équilibrer. Je sais pas si j'équilibre. Ouais, si je vais équilibrer, je vais en mettre deux là-bas. Tiens, on a déjà tout ça à construire. Et là, on va s'en mettre deux là. On va commencer à un peu équilibrer. Yes. Ah bah c'est parfait, ils ont réussi. Ah, trop bien. C'est magnifique. Les portes qui nous manquaient. Évidemment, la mécanique, on va la récupérer. On va tout récupérer. On fera le mur ici après. Ah, il va se réveiller dans 31 aussi, que c'est pas très grave. Si on est pas à 5 minutes. Et là, on a assez de pression pour faire un premier géant. On peut peut-être déjà tester en géant sans électricité. Et là je vais penser à tirer mon câble. Là je vais mettre un atmosensor, peu importe où, même un switch. Ouais, si il y a un switch c'est très bien. Ouais, c'est juste pour avoir le câble sous la main.
Il est très limité sur les systèmes de steam turbine. C'est tout crabe à 125 degrés, enfin quasiment tout. Donc il faut vraiment jouer d'astuce en fait pour obtenir tous les trucs qu'on lui demande. Pas mettre de pont pour qu'on. C'est très limité. Hein. Nickel, ça c'est cool pour les portes. On va récupérer le bordel, on va enlever les échelles. Tester les portes. Ouais. Ok, là, le Steam, d'accord. Ça va être 3 kilos et donc ça va fonctionner. Ouais, ça a l'air bien casser la pression. Même quand c'est pas électrifié, ça passe. Là on est à 65 ou 66, ouais, on augmente. Ouais, il y a la pression diminue. Oh, ça sent l'espace. Ah non, petit problème de passe pending sur la base. C'est vrai qu'il y a un gros nuage de CO2 sur la partie inférieure, donc il faut y se perdre un peu. Voilà, c'est bon. Tiens, on va prendre la surface, on va y jeter un oeil. Alors, voyons. Ouais. On entrevoit là maintenant les ruines de Gravitas, parce que bon, il n'a pas resté grand chose. Ça s'était moins fait atomiser par les météorites, qu'il n'a pas resté grand chose. T'as rigolé, j'avais tellement. 248 tonnes. Non. 24 tonnes. 20,
24 000 tonnes, 864. Bon, 25 000 tonnes pour avoir. On a dit déjà 500 tonnes, donc ça va pouvoir l'abuser. Ouais, c'est bien, ça fonctionne bien. Hein. Ça a bien, bien extrait la steam. Ah, ouais, 70 kg de vapeur là-haut. Comme ça, en plus, on a un réchauffeur là. Là, on le voit, c'est 40. Là c'est 200. Et là, c'est 70 à quelques. 47 même. Et on voit que ça met vraiment bien la chaleur ici. Voilà, chaleur complètement bloquée par le vide en fait. Impeccable. Donc même sans électricité, ça le fait. Ce qui aurait été presque bien, ça aurait été mettre des portes. On emploiterait le steam vent et de larguer un gros nuage de 15 kg à la steam turbine pour avoir un peu de marge. Ah bon, il a bien rempli les batteries en tout cas, hein, putain. Fermer le setup. Juste avant de laisser ça là. À chaque fois qu'il passe là où c'est pas fermé, il se prend un méga coup de soleil. Là on voit les rayons lumineux, sont chauds. Ça fait plus de 65 000 lux quasiment. C'est cool ça. Il y a encore, ouais, là, quand on aura fini ça, je pense qu'on découvrira le neutronium là. Il y aura encore une petite partie à faire ici. On aurait déjà fait la première partie en 1 sur 2. Faire un petit tour de base. Je sais pas comment ils arrivent ici, les poissons, hein, je comprends pas. Ce qu'on va faire, c'est que ça, on va le virer. Et je vais fermer ici. C'est peut-être qu'ils grandissent en fait, les petits.
rebondissent jusqu'à ici, ils grandissent comme ça sur le sol. Donc dans le doute, on va fermer ici. Remarque, non, si je peux le laisser, tu me diras. Ceci et là, ça, on va complètement le fermer. Voilà. Ils arrêtent de venir rebondir ici. Et ils font une lévitation jusqu'à là-bas. Là. Voilà, regardez celui-là ce qu'il fait. Et il refait sa lévitation. Et je pense que c'est ça, je pense qu'ils avaient une lévitation jusqu'à là-bas. Qui est resté là-bas jusqu'à l'âge adulte. Et après, l'âge adulte, il est arrivé enfin à descendre. Voilà, et là, je le bloque avec ça. Voilà, et là, il tombe. Ouais, c'est parfait. Là, ça bloque pas ça, nickel. Les Hachis sont toujours au top. Tiens, on va voir notre autre turbine là. Parfait, on fait ça. On va fermer ici. Après, on va fermer ici pour faire l'essai. Voir si ça fonctionne. Et si ça fonctionne, bah, on fera les autres là-haut. Je suis assez chaud pour récupérer la scie ici là. Là-bas, il y a de la masse à faire. On va faire un peu là. Ça, retournez voir en bas. Ouais, c'est bon, ils ont ramassé, on va pouvoir fermer. Ok, le 8, il y en a combien? 15 grammes, pourquoi ça ne pas? Ah oui, parce qu'elle est bloquée avec ça à cause de ça en fait. Iron. Elle est bloquée à cause de l'automatisation. Je me disais parce que là j'avais toutes les. Ah non mais attends. Je pourrais plutôt mettre un sensor en fait. Plutôt ça aurait été plus intelligent. Notre sensor pour attendre avant d'ouvrir avant de l'activer, comme ça il n'aspire pas la vapeur. Carrément en fait. On va faire ça. S'ils peuvent y accéder. Ah merde, il y a un chemin là. Et zut.
seule fois que j'accède par là. Putain, avec le fameux poster, on a un biais là. Si je joue des portes, je perds toute la Steam. Ça me fait le vide des portes, super. Parfait. En même temps, ça va juste me faire un coup de turbine et puis après ça va être bloqué. Ouais, c'est pas grave, je vois les portes. Il n'est pas à 2 minutes de toute façon. Mais enfin, j'espère que ça va pouvoir quand même accéder du coup. Ouais, c'est bon. Ouais, c'est pas grave, pas grave. Ça, c'est pour automatiser du coup. D'activer la turbine que quand il y aura une certaine quantité de vapeur. Ça, il n'a plus trop de poids que la surface, elle a l'air de merder là. Elle doit quand même pour accéder par l'échelle. Donc impeccable, là ils ont bien construit. Là-bas ils sont un peu moins chauds. Puis, je vais faire des échelles là-bas. Ou plus vite avec les échelles. Il y a encore un peu de taf, mais ça commence à ressembler à quelque chose. Après, les autres 1 sur 2, ça ira plus vite parce que on récupérera ceux du dessous. Voilà, très bien. Comme ça, on va l'activer. Si c'est mauve, on va bien se mettre 10 kg. On va bien 10 bons kilos de vapeur. Voilà. 1000, 10 000. Voilà, comme ça, la turbine est éteinte.
Ça, on peut le désactiver. Voilà. Il n'y a plus qu'à attendre que le turbine se lance. Que le fumée de la fumée se lance. Qu'est-ce qu'il fout là, le Draco là? Ok, bon, on est pas mal là. Yes, on va en profiter pour fermer aussi. Donc la turbine est pas mal. Ouais, j'tonne les calories. Ça commence à pas être. On va faire un peu de champignons quand même pour renflouer un peu. Alors ça, je vais mettre priorité minimale. Je ne sais pas que ce soit livré. Ça, c'est qu'on voit ça renvoie la clé. Ça va bien. Ok, d'accord, il a déjà blâmé le truc. Il est attaqué, lui. C'est là qu'on voit qu'on n'aura pas besoin de... Peut-être de tourner le bras, en fait. Intéressant. Ici le couloir central en fait, parce que du coup lui il peut livrer deux et lui il pourra peut-être lire lui. Comme ça c'est limite. Ah, mais si on pouvoir, est-ce qu'il va pouvoir livrer? Ah non, il pourra pas livrer ses potes. Bon, on va laisser comme ça. Ça c'est la régolite qui va aller par là. What? Elle a une capacité ici? Pourquoi? Elle a cramé en utilisant ça? Elle vient choper Catalina là. Eh ben c'est dangereux cette première machine. Hein.
D'accord. Faire le ménage dans la pièce là. On va plutôt faire des accès sur les côtés. Là, on fera le truc d'oxygène pollué. On a à chaque fois. Il faut que je refasse de l'or. Également, l'oxygène pollué est plus lourd, normalement l'oxygène propre monte. On va se mettre deux pompes d'extraction d'oxygène pur. On injectera dans une salle de compression. Voilà, là on va se refaire l'échelle. En gros, on va autant utiliser l'échelle qui est là. Hein. Niveau électrique, ça va être lourd. Je me demande si je peux tout faire en gros câble. Et tout mettre sur le même truc. Bon, si on faut qu'on fasse de l'or. Un peu d'acier, on va refaire un peu d'or. Alors là, je sais combien en vert là. 1000, ouais, c'est bien, je peux déjà faire une tonne, je peux faire 5 panneaux solaires, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal là. Alors, ici qu'est-ce qu'on raconte? Ouais, c'est pas mal du tout. Oh, si on veut éviter quand même. Et là-bas, bien sûr, il y a ça qui déconne. Là-bas,
sont pas trop chauds pour y aller. J'ai toujours mes abonnements, faut dire. Ouais, c'est bien, hein. On y est presque. Hein. C'est vrai, mais ils font pas. On va refaire un peu de l'autre côté. Ils sont au fond de la faille de côté. Donc, ça va sauter. C'est envisageable celui-là. Alors. Ok, lui, on n'a plus qu'à attendre que le truc s'allume. Ouais, je crois que je vais tout gros câbler en fait. Laisse galérer. Ça va, c'est juste ça d'intervenir, si jamais. Alors là, par contre, ça va nous embêter. Oui, il va vraiment être chiant en fait. Il ne veut pas. Non, ça, on va pas tout couvrir. Simplement, en fait, je vais décaler les câbles. Hein. Ouais, on va décaler les câbles, c'est pas très grave.
Ouais, dès qu'il y avait deux, là, voilà, comme ça. Ah, c'était l'enfer. Tirer les câbles comme ça. Là, ça va reposer le problème, je pense. Là, je vais brancher sur la pompe. Voilà, comme ça, on va les tirer là-bas. Le câble sort là. Très bien. Ça, on va laisser un tag ici pour le câble. Et ça, je mettrai tout sur le même générateur. Je m'embête pas. Ça, si besoin, on peut faire une maintenance. Comme ça, on n'aura pas de problème d'overload. Ça, c'est du réseau. Non, parce qu'il y a deux batteries, je vais mettre des coups de générateur, je pense. Deux coups de générateur.
Ça, on vérifie que les batteries soient bien chargées. Voilà. Système d'oxygénation 2.0. Ça va permettre surtout de recycler la rigolite. Là, forcément ils vont stresser parce que vu la gueule des décos. Ah, il s'est passé tout le monde là-dessus. Donc ça bousille le sensor, ok. Alors, ouais. C'est pas mal. Et là-bas, ça dure rien d'avancer, comme d'hab. Là-bas, ils sont pas très chauds. Hein. Après, ils passent peut-être beaucoup de temps sur les auto-repair. On va faire un bon temps là-dessus. Ouais, et puis bon, elle va par l'échelle aussi, c'est vrai que ça prend du temps. Est-ce que là au-dessus j'ai le. Ouais, j'ai ça. Hein. Ça, on peut les désherber. Hein. Ça ne fait rien la porte. Ok. Cette nuit, la dirt, ça va. On en a encore un peu. Voilà, comme ça va normalement couler un peu là. Ce bassin, j'ai envie de l'effondrer. Enfin, ah, mais c'est chaud, il y a de l'eau propre. C'est pas que de l'eau polluée, donc on va pas forcément mélanger. Donc, à faire. Un site encore 1565.
Je vais tirer un câble pour soutenir là-haut là. J'essaie de faire un truc un peu direct ça. Ah! J'ai fait clic droit, putain. Aïe, aïe, putain, mon Dieu. Je suis un peu handicapé des doigts, je crois. La bille, on veut pas forcément. Pas forcément trop la musique non plus. Voilà, je vais là, je pense sauvegarder. L'idéal après c'est de mettre un pouvoir transformer, deux pouvoir transformer pour dispatcher les 1000 watts, les 2000 watts en 2 fois 1000 watts, c'est un peu plus petit. Il y a ça, il faut que je remette les drapeaux en place aussi. Ok, voilà, ça prend forme doucement. On va faire 1550 et je vais vous laisser là. On a quand même pas trop mal avancé.
Là, on fait une échelle là. Continue là. Parce que là-bas, c'est pas trop chaud. Ça va me cramer, c'est normal. Décidément, putain. Je devrais les protéger, mais il va se mettre la pression. Ah, fait chier, putain. Faire correctement ici. On va faire un vrai bassin déjà. Voilà, là, comme ça il y aura du volume. Et est-ce que je le sécurise? Alors là, vu le volume, il y a moins de risque de pression. Par contre, là, tout le monde va se casser la gueule ici. Je la casse par le dessous. Ouais, niveau, ça va, purée. Un petit coup de ventilo là. Donc c'est bien, ça descend. On va bientôt se débarrasser de toute cette chaleur là. Seul sert d'aller ici, on est bon.
Les buffs, ils font pas grand chose, ils s'autogèrent plus ou moins. Ça, on va l'essuyer. C'est le reliquat de vapeur, ça. Ah oui, mais ça sera pour la prochaine fois, il faut que je fasse mes plantes ici. Gaffe là de pas passer. Ok, leur fini câble électrique, très bien. Donc là, éventuellement, on mettra un pouvoir transformer par là, deux pouvoirs transformer, on dispatchera en 1000 fois 2. Moyen d'utiliser mes poissons. Là, j'ai vraiment pas de place. Hein. Ouais, j'aurais utilisé celle de bassin. Si j'avais la place du bassin, là encore, ça irait. CO2, faudrait que j'en. Ouais, faudrait que j'en traite. Hein. Commence à être chaud sur le CO2 là. Sauf qu'avec 20 du piquant, on en génère quand même pas mal. Hein. C'est une discothèque là. Ah là, cette vapeur. Alors, ouais, c'est ok. Là, c'est rapidement, enfin, qu'on avait fermé là-haut. Parce que l'eau. Ah, l'eau propre et l'eau polluée, ils sont jamais rangés, de toute façon. Zut. On va limiter les dégâts quand même, malgré tout. Ça donnera ça.
on a encore pas mal de boulot. On a pas mal de taf encore. Ça, ce sera mis sous vide, hein, bien sûr. On va n'avoir que de l'oxygène pollué et de l'oxygène pur. Là, on fera une petite salle de compression d'oxygène. C'est plus pour produire de la craie que de l'oxygène. Je mettrai un sensor à germe dans le sas à compression. Comme ça, j'aspire uniquement quand les mouchettes est morte. Et dans une haute pression d'oxygène, il ne va pas rester grand chose. Ah, c'est, on a chopé un salaud. On a chopé un. Bon, on va quand même le faire, le gulp. Donc la prochaine fois, il faudra qu'on fasse ça, là qu'on finisse ça, il faudra qu'on fasse une bassin à haute de polluer. Et puis voilà pour le principal truc. Éventuellement, on envisagera ici une bassin à cool oil. Ça sera à voir. Voilà, on a fait le vide. Ah ouais, c'est impeccable cette porte. Il n'y a pas d'enflux de gaz, on a vraiment le vide. Après, c'est peut-être en termes de débit. Faudra voir, mais vu que j'ai des sensors, on pourra peut-être régler la turbine pour qu'elle soit un peu stable. Mais ça me semble tout à fait envisageable comme setup. Là, j'ai des milliards de pollués. Ah oui, il y aura aussi un coup à faire. On va stocker les Draco ici. Donc là, ça, aussi. Voilà, comme ça, on va relocaliser ici. Ce rail, je sais pas quoi il sait, je peux pas y servir. Donc voilà. Oh bah c'est bien, ça avance bien tout ça. La surface, bon bah ça prend le temps qu'il faut, de toute façon. Ok, on fait celui-là, mais ouais, je sais pas, c'est. C'est vrai que c'est pas à côté, on faut dire, mais. Peut-être envisager une autre échelle. Pour gagner cette distance, en fait. En plus, on dévoilerait la. Dévoilant le truc, on pourrait envisager ouais, une échelle ici pour taper sur la station en plus. Comme ça on arriverait directement ici. Par contre je risque de me faire atomiser ici. Là. Ah putain, je suis pas fermé. Je vais tester ici. On testera la prochaine fois.
Ah, il y a aussi cette turbine à setup. Déjà faire l'essai. Faire l'essai de ces portes. Et si c'est concluant, ben on finit le setup. Là ce serait pas mal mais j'ai un peu peur de niquer mon setup. Ou alors attends, si je vais là, ah, je vais manger les, ouais, mais de l'autre côté je vais dévoiler le, si on peut prendre ces échelles. Ah, comme ça on dévoile tout ça. On arrive là. Ça rejoint le setup là. Ça aidera peut-être. Donc voilà, bon, on verra ça tout ça la prochaine fois. Là, on va valider le 1550. Ok. Ok, impeccable. Bon, bah, la base avance vachement bien. Là, le cycle 2000 est vraiment à portée de main, quoi. Je pense qu'on va vraiment le faire. Voilà, voilà. Ok, bon bah sur ce, merci d'avoir regardé la vidéo. Voilà, j'espère que ça vous aura été utile. Et donc bah, je vous dis à une prochaine fois pour la suite de mes aventures. Salut, à bientôt.